Et yo tout le monde, et bienvenue sur ce nouvel épisode, l'épisode 3 de Pixel Cave Racer. J'ai tardé à sortir ce troisième épisode car j'ai tout simplement changé de téléphone et perdu ma progression car je n'avais pas sauvegardé mes données. Bon, c'est pas trop grave, je suis reparti du bon pied, j'ai racheté une cappuccino, j'ai fait pas mal de races et du coup, là, on a un petit million de dollars pour faire une bonne cappuccino qui va bien. Donc on part tout de suite et on va s'acheter... dans un premier temps, on va garder le même moteur. Moi, je vais essayer d'aller dans un premier temps le plus loin possible avec le moteur que j'ai actuel, au niveau puissance, j'entends. Par contre, on va s'éclater, on va aller prendre des turbos. Ou double turbo, pourquoi pas. Non, on va aller prendre des... on va aller chercher des turbos. 150 000, ça c'est pas mal ça. Hop là, hop, voilà. On va prendre du coup, c'est pareil, l'intake, on va le prendre... plus 33... Ouais, carrément. Vmax. Je vois pas comment on pourra mettre ça sur la capou. Oh, c'est stylé ça aussi, attends. 38. Allez, on achète ça aussi. Les pistons, on va prendre du forgé. On va prendre du vert justement. Donc ça va être du Vix. Hop là, s'il veut bien. Voilà, Vix suprême. Très bien. Là, on est bon en admission. L'échappement. L'échappement, hop. Pareil, l'échappement, on va prendre dans la catégorie verte. Je crois que ça doit correspondre à une certaine catégorie. Celui-là est pas mal. Hop. On va prendre aussi de quoi la rabaisser un petit peu. Alors, du coup, j'ai regardé, il y avait pas mal de suspensions vraiment sympas. Et j'hésite à prendre, en fait, justement, le dernier, qui est le plus cher, mais qui peut régler en hauteur. Donc, lui, on va le prendre. On va prendre ça, voilà. Oui, tiens, on va prendre des Trembo. Ouais, c'est des Brembo. Bon, nous, on est black. On reste tout noir. Tac. Voilà. On va prendre les Q qui va bien. Et on va aller chercher, du coup, celui-ci. On gagne plus 1800 RPM. L'admission et l'intercouleur. Et on va être bon après. Oh, le gold. Parfait. Bim! On a plus que 90 000. Allez hop, on va monter ça sur la capou. Vous voyez, j'ai quasiment les mêmes. Hop là. Alors, niveau moteur, on garde le même moteur. De toute façon, c'est celui de stock. Il pèse que 2. Ouais, n'importe quoi. Donc, les légendes que j'en ai eu des nouvelles. Et on va prendre du coup le dernier tubo. Tac. Voilà. On prend le truc, ça se voit pas trop. On pourra peut-être aller prendre des pneus avec ce qu'il nous reste. Équipement, tac, là on est bien là, on va être posé par terre. Posé. Hop là. Eh oui, je peux pas le mettre celui-là, alors pourquoi il m'emmerde. Ah bon, bah, tant pis. On va aller le changer. On va prendre le dernier écu. On va prendre les derniers pistons qui vont bien. Voilà. On prend l'intercooler qui va bien. L'échappement aussi. Ouais, quasiment 1000 poneys, hein, on est bien, on est en catégorie D. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller... Oui, on va changer ça, c'est mieux comme ça. Tac, on va aller au Part Store. On va revendre l'intake. Alors, on va revendre celui-là. Et on va acheter du coup un intake qui va bien. Genre celui-là... Celui-là, je pense, c'est pas mal. Et on va prendre des pneus aussi. On va se prendre des petites jantes. Enfin, des petits... j'ai regardé un peu, en fait, les trucs. Alors, il faut du grip. Tout est à 350. Après, les autres, c'est vraiment du tape à l'œil. Et celui qui grippe le plus, ça va être le tout dernier. Et ça va être du 300. Enfin, l'avant-dernier, c'est 360. C'est l'Advent Dragster. Donc, on va peut-être prendre un... J'ai peur de passer en catégorie au-dessus, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Et on va prendre un en dessous. S'il y a du vert, quoique c'est bleu-vert, donc c'est le dernier le vert, ouais, le burn, ok. On va le prendre aussi, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc du coup, on continue, on monte, après on va faire un petit passage au banc. Hop là. Donc ça, on est bon, on a dit du coup les pneus, et on va prendre... Parce que regardez, on est en D 364, et si j'équipe... Ah, 365, c'est pas énorme. Et si j'équipe celui-là?
Ah, c'est très bon ça. Bon, par contre, il grille plus là. Hein. On va prendre les micros à l'autre. Très très bien. Hop là, l'intercooler et l'admission. On est bon. Voilà, là on commence à avoir quelque chose qui cause. 876 HP. Ok, allez, on fait un petit run pour savoir à combien on tourne sur le dino. Là on est bien, on est posé à ras-sol. Hop là. Ce qu'on peut aller prendre, il nous reste 90 000, on va aller prendre de la nitro. Comme ça on va gagner une centaine de chevaux en plus. Oui, bien sûr. Pan, allez. 850 chevaux, tout va bien. Ok, d'accord. Hop, alors, on va aller prendre de la nitro. Qu'est-ce qu'on en passe Et ben voilà. C'est parfait. Allez hop, on équipe. Et là, on commence à avoir une arme de guerre, hein, carrément. Ah, par contre, on passe en catégorie F. Est-ce que je vais pouvoir faire la... Parce que moi, mon but, c'est d'aller directement partir en race, mais d'aller faire un tournoi. Oh là là, je touche le sol. Free run. On va aller tester en free run. Alors oui, maintenant, je fais le passage aux palettes. Alors, on va essayer de tomber notre record. Je pense que ça devrait le faire assez facilement. Hop là... Ok. Ok, donc je peux monter la hauteur. Donc à mon avis, c'est pas fameux là ce que je viens de faire. Bon, j'étais un peu collé au sol. Je vais améliorer mon temps, j'améliore mon temps, ok. On va essayer de la remonter un peu parce qu'en fait on peut remonter la hauteur de caisse. Allez, on la refait, on n'a rien vu. On est reparti, on la refait. Alors, on monte la hauteur de caisse d'un cran. Voilà, là on est bien. Tac. Et micro. Hop là. C'est bien d'aller taper au-delà des 9000 aussi. Hein. Pou. Voilà, 14 secondes 5. C'est pas trop mal, hein. C'est pas génial, mais c'est pas trop mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Tac. Race. On va aller regarder, du coup, au niveau des drags, le tournoi. Et le tournoi, je peux pas, voilà, je suis en SR. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... On va aller gagner le premier tournoi, je pense. Race. Non. Hop. Garage. On est parti. Et on va juste enlever le NOS. Voilà. Ça, on est bien. Et là, on va pouvoir partir. Hop. On va partir directement en race. Qui va bien. On est parti. Et on va faire le tournoi. Le premier tournoi. Allez, c'est parti. Quart de finale. Est-ce qu'on va réussir à gagner ? Une cox. Attends un peu. Du coup, on n'a pas une intro. Ah, c'est la game. Je pense que vous pouvez pas déconner. Ah oui. Posez là. Allez hop. Sous les 10 secondes. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Bien. Allez, on continue. C'est une finale. Il y a un mec avec casquette comme moi, quoi. Pas abusé, ça. Alors. Donc oui, du coup, vous avez vu, la saison est finie pour moi pour le moment. Donc je vais faire un peu plus de vidéos gaming. C'est pas plus mal. J'ai quelques idées, là. Du coup, vous verrez dans les vidéos gaming, notamment de quoi rouler sur cette eau, par exemple. Où j'ai réussi à trouver une cappuccino et au moins le Val de Vienne, du coup.
Là, lui, il tient quand même. Pour essayer de m'entraîner un petit peu en intersaison, hein, tout simplement. Et je cherche les autres circuits. Notamment. Mais bon, bah, je vais continuer à les chercher, et puis vous aurez une vidéo dans pas longtemps. Et on combat contre une fille. Alors, elle a quoi comme. Oh, ah oui, d'accord. Un seul quart contre. Contre une capoue, quand même, je veux dire. Un petit peu limite. Hop, on monte un peu. Allez, on chauffe. Ça va être tendu. Hein. C'est la finale, hein. C'est chaud. Est-ce qu'on va la gagner? Oui, je suis bien parti là. On est bon. Pouh, 9 secondes 100. Et on passe au niveau 29 en plus, je pense. Oui. Et voilà, 50K. Et c'est une première victoire. Parfait. C'est bon ça. C'est ma première coupe. Et sur ce, hop, on va prendre du cash. Hop là. Et sur ce, je vais vous laisser. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit j'aime et tout. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos pour envoyer cette capoue dans l'espace, tellement qu'elle va aller trop vite. Non, du coup, on a les autres championnats aussi à gagner et tout, en attente que le mode scénario soit débloqué sur ce jeu, pour qu'on aille voir un petit peu aussi ce que c'est. Je ferai sûrement un pack opening, parce que vous voyez que je garde des crates de côté, pour du coup faire un grand pack opening, un de ces quatre. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !